Couronné chez les juniors en 2015, Guillaume Névoz a décroché la timbale chez les seniors cette année lors des championnats départementaux organisés à Vannes. S'il a su profiter de l'absence du tenant du titre, Giovanni Balcoul-Borgne, le sacre du jeune parisien dans la catégorie reine ne doit rien à personne. Bah, je partais tête de série numéro 2 et il y avait plein de gens d'Enbon, on se connaît par cœur et donc j'avais un peu peur de perdre sur quelqu'un d'Enbon, mais j'ai bien géré et j'ai gagné. Malheureux la veille, il a été battu en finale simple et double dans sa catégorie. Le sociétaire du centre de formation Enbontais est venu à bout en finale de son très jeune camarade de centre, le cadet deuxième année, Léandre Azid Thomas, 14 ans. Je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Ça aurait été une déception sinon, je pense. Ouais. Ça se joue à quoi, là ? Peut-être le mental, peut-être je sais pas trop, mais c'est joué au dernier set et je me suis arraché. Pour Guillaume, comme pour Léandre, ses performances en étant surclassées leur ouvrent les portes du championnat régional, un niveau de compétition où Guillaume aura de nouveaux appétits. L'année dernière, je fais demi en junior, donc j'espère aller le plus loin possible. Peut-être finale, mais c'est compliqué. Cette année, c'est encore plus fort que l'année dernière, donc ça va être dur, mais on va essayer. Après, en senior, faire le plus de perfs possible. Aller le plus loin possible, mais ce sera super dur. Guillaume Névoz, qui vient de suivre 3 années de scolarité à l'école Enbontaise, passe son bac en juin prochain. Il espère poursuivre des études en STAPS pour continuer à s'entraîner. Et qui sait, un jour peut-être, c'est son rêve, intégrer le classement des 200 meilleurs Français avec une place en National 1 en ligne de mire.